je me rappelle juste des touches. Derrière E, F pour la concentration. Ok. Ok, lui il n'y avait rien. On peut prendre ça. Eddie Dodd, chasseur de haute volée. Je sais pas c'est qui me voit. Hein. Seigneur. Allô? Là. Voilà. J'ai pas de place pour la bouteille. Truc qui brille là-haut. J'y vais, je sais pas encore. Ça on peut pas non plus. On va éteindre là. Je vais le faire avant, c'est pas grave. Oups. Ah. Tu l'as fait tomber. Rien ici, et ça c'est pour se cacher. Ok. Ah, des flèches, cool. Voilà. Ok. Bref. Moi, c'était tout simple.
Monsieur. Ouais, c'est ça, c'est une imagination. Oula. Mais une statue qui a un truc pour moi. Donne. Moi, c'est ça, toi. Rien par là. Rien là-dedans non plus. Et ça, ça sert à rien non plus. Bon. Vas-y, tu reviens. Ok. Oups. Tu crois qu'il m'a vu? Aussi bien que... Hey!
Non, mais c'était pas la flèche que je voulais, moi. Bon, c'est quoi, tu me saoules? Je trouverai. Tu ne t'échapperas pas cette fois. Je suis en train de viser toutes mes flèches. Voilà. Je sais plus comment je fais pour me soigner par contre. Peut-être que j'ai pas ce qu'il faut, mais... Bon, j'ai gaspillé plein de flèches. Sur toi, c'est pas drôle. Donc il me faut une clé. Là, j'ai une porte, celle-là je peux pas l'ouvrir. Et ouais, bon là j'ai rien non plus. Mais comment je fais pour me battre au corps à corps déjà? R. Oups.
Et du coup, j'ai gaspillé toutes mes... toutes mes flèches. Ah. Oui, c'était pas... D'accord, c'était pas la meilleure idée du siècle. Et j'avais pas vu qu'il y avait des tiroirs à fouiller juste à côté. Bon, pour une fourchette. Ouais, c'était pas très grave. Je peux pas prendre ça? Non. Ok. Je sais pas si j'ai mes flèches de feu ou pas du coup. Ouais, c'est bon. Ils ont rien entendu. Dac. Mais on va passer à la méthode supérieure. Mais tu n'as rien vu. Ah, il est pas mort encore. Juste derrière toi.
Hop, on va se cacher. On va attendre. Ne me dis pas que tu m'as vu rentrer, c'est pas possible. Pas vu. Pourquoi j'ai fait ça? Il m'avait pas vu. Dépêche-toi, cours. Dépêche-toi. Tu vas mourir, dépêche-toi. Ce serait bien de finir le chapitre quand même. C'est bon. On peut y aller. Je crois qu'ils sont partis. Ouais non, j'ai plus de projectiles, j'ai plus rien. Ça c'est les flèches grappins, on va éviter de rester dessus. Voilà. Ouais, c'est un peu ça. C'est toi qui est bizarre. Si tu savais. Hop, ça c'est bon. C'est ça que je voulais. Maintenant, il faut retrouver l'endroit par contre. C'est là. Un petit porte-monnaie en plus. Oups. Fermer ça. Voilà, enfin, on est tranquille. Ah oui, des flèches.
Nickel. Des flèches de... Bon, pas de flèches de feu. Tant pis. Voilà, on va se remettre full vie. Trop tard, zut. Ah zut. C'est... Faut pas croire, hein, c'est pas facile. Surtout quand tu te rappelles plus des touches. Il fallait juste se mettre au bord, il n'y avait pas besoin de sauter ou quoi. On fait le mort. Et on attend. Oh, j'avais même pas vu. J'en ai rien à faire que ta mère et la grisaille ne viendra pas habiter chez nous. Chef. Sale punaise. Je vous demande pardon. Tu pries sur ce cadavre. Maria? Rien? Non, en fait, j'allais juste chercher un autre cadavre au moment où vous êtes entré. Tu sais? C'est tout ce que je demande. Du respect! Ah! Une bonne licale. Et que mes hommes obéissent sans discuter. Balancez-le dans le fourneau et récupérez son argent. Gaspille pas les carreaux. Devez les morts de leur richesse et de leur dignité.
l'attrape-voleur en chef fait honneur à sa réputation, il faut que je reprenne cette arme. Pas de soucis, on va y aller. Salut Leslie, salut Croc, comment allez-vous? Vous avez, je suis concentrée. Hop. Je passe vite fait, j'ai démarré mon live. Ok, pas de soucis, Leslie. Tu live sur GTA? Encore là? Non, c'est bon. Tac. Pas éteindre la lumière. Ouais. Que j'ai plus rien à prendre. Il me faut cet anneau. Oui, je sais. Sauf à penser que je perds la forme. Bon, bah c'est parti. Oh là là. Ah non, c'était bon comme ça. Comme ça. Voilà. Très belle. Oui. Pas de soucis, Leslie, à plus tard. Au pire, si je finis, je passerai voir. Je passerai sur ton live. Ouvrez-moi cette porte! Défoncez-la, c'est le fond! Au voleur! Au voleur, non mais tu viens d'ouvrir un cadavre pour avoir cette année, tu te demandes de moi ou quoi? Et oui, je suis un voleur et là. Raté. Encore raté. Ah. C'est pas possible. Là. Ah. Ça va, il a pas l'air pressé d'enfoncer la porte. Je te dis que j'ai un général crié. Si c'est lui, il ferait mieux
toi, j'y vais. Tu me devras un service, Braya. Bon. C'était pas la meilleure idée du monde. Ouvrez-moi cette porte. Défoncez-la, s'il le faut. Au voleur. J'ai un nouveau copain. Mais je créerai pas victoire avant d'être sorti. Ah, mais je sais. C'est lui. On va mieux te picher. Ah non! Pourquoi personne ne donne l'alerte? Saloperie de moi, rien, tout ce temps que vous êtes! Apportez-moi une masse! Je vais défoncer cette porte moi-même! Échapper à la vigile. Allez, montre-toi. Je te promets une pendaison rapide. L'équipe est l'automatisation. Où le détail. Je surveille tes armes. Oula. Mais pourquoi tu l'as pas fait dès le début? Depuis tout à l'heure, j'ai rien changé. Bref, peu importe. Ok, y a rien. Moi je descends.
Allô? Ok, je sais pas, j'ai fait comment. Hop. Pourquoi tu mens? Halt! Plus un geste! Tu m'échappes! Tant pis, tant pis, tant pis. Voilà, enfin débarrassé de ce chapitre. Là, je suis chez moi. C'est le coffre où j'entrepose toutes mes provisions. Je ferais mieux de me préparer avant de partir. Sauf qu'il n'y a rien dans ton coffre, là. Et bien c'est parti. Oui. Cette cité, il n'y a pas une transaction sans que Basso soit mieux. Il dit que c'est un don. Pas le contredire. Oula! C'était une très mauvaise idée, très 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 mauvaise idée. Oh, ça bug, ça bug, ça bug, quoi. Il a été pendu pour communiquer avec le camion. Je vous rassure, moi aussi je lag, hein. Ça vient pas de vous, vous inquiétez pas.
Oui. Bouge-toi. Voilà, nickel. C'était moyen. Suis-moi. Il y a quelqu'un qui veut te voir. Pourquoi moi? Caractère enjoué, ton sens de la conversation, j'en sais rien. Le gars pour qui tu as volé l'anneau, t'as dû l'impressionner. Qui c'est au juste? C'est Orion, le bonhomme qui tient tête au baron et qui se bat pour les gens normaux. Il dit beaucoup de choses vraies. C'est un vrai luxe dans ce trou. Il est dans les parages pour soigner les bougres qui ont la grisaille. Ça fait du bien de voir quelqu'un concerné par ses investissements. Et essaye de ne pas être trop, tu sais, toi-même. C'est important. Ravi de vous rencontrer, Gary. Payé pour ça, non? Avec mes modestes moyens, oui. Alors, je vous offre toute mon attention pour l'instant. Bien. S'il vous plaît. Mm-hmm. Marchons un peu. Le baron soutient le progrès au prix de la douleur. Le métal et la pierre au prix de la chair. Voyez le résultat. Je ne m'intéresse pas à la politique. Ah oui. Vous êtes un loup solitaire et en êtes fier. Vous ne vous sentez pas concerné par ces enjeux? Je vis plutôt bien. Pour combien de temps? Gareth! Ah, Gareth, je vais glisser! Ah, c'est votre vie, là, vous aussi. Ah. Ah. Malaise. Est-ce que ça va? Je vais bien. Qu'est-ce que vous me voulez? J'aurais besoin d'un livre. C'est le dernier en son genre à ma connaissance. On m'a dit qu'il était dissimulé quelque part dans la maison des pivoines. J'aurais dû se bander la clé de peau. Il s'agit d'être discret. D'habitude, je n'ai pas recours au vol, mais... par les temps. Un homme politique qui vole par procuration. Tout est normal. Aussi normal qu'un voleur qui agit pour la bonne cause. Je vais le trouver, votre livre. Mais je pourrais pas t'aider à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants. Je m'en souviendrai. Mais pourquoi ça bug comme ça? Oui. Il n'est pas épais, hein.
Eh ben. Ça a planté. Ah mais si dès que je fais un pas ça bug, on n'a pas fini. Hein. Bah moi ça, moi mon jeu il bug, ça a planté, là je peux rien faire. J'avance là normalement tu vois mais. Ah, c'est bon, c'est revenu. Je l'ai soutenu toute ma vie. J'aurais juré. Toi, bouge plus. Allez. Tu veux rien t'amuser du tout parce que regarde, je me casse. Voilà. On est censé être discret, mais bon, c'est pas grave. Riverside, il y a un vieux moulin où Eric s'était installé. Je devrais faire un tour à l'intérieur. Ok. Ça va, t'es pas un tout petit peu bigle, toi. Oups. C'était un peu nul comme mort. À Riverside, il y a un vieux moulin où Erin s'était installé. Je devrais faire un tour à l'intérieur. C'est dommage qu'ils ont pas mis une mini-map et qu'on soit obligé d'appuyer sur la touche pour voir la carte à chaque fois. Dans un jeu comme ça, ce serait pratique. Faut que je fasse gaffe là où je saute. Dodo. Merci bien. Hop. Ok, j'ai cru qu'il y avait un truc.
Pourquoi cette musique ? Peut-être si je sais rien en fait, c'est pas grave, on verra. Hello? Pourquoi il y en a volé ici? Un portrait de poche. Ouais, là-dedans. Voilà. Et un petit stylo. Ah! Non. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Tu trouves que ça bug plus que d'habitude, Daddy Bell 1, 2, 3, tu trouves que ça bug plus que d'habitude, Croc, ou pas? Ou c'est comme d'hab? Parce que j'ai mis la qualité de à fond sur OBS, donc c'est peut-être pour ça que ça bug un peu plus. Faudrait que je redescende peut-être. Ça lag un peu, ouais. Bon, de toute façon, je pense que je vais pas trop tarder à arrêter ou peut-être changer de jeu, on verra. Mais comme ça, je pourrais remettre comme avant, histoire que ça lag moins. J'ai l'endroit contre les intrus. Je vais devoir faire attention. Ah, on peut pas faire. On peut pas avoir les pièges avec notre truc. Ça doit être les dalles comme ça, les pièges, je pense. Donc on va éviter d'aller dessus. Du soin. Ok. Ouais, ça, je pouvais pas éviter les deux. Je suis censée faire quoi et aller où là en fait concrètement? Pas sauter là. Mmh.
peux pas sauter en face, tu peux pas attraper la corde non plus. Ok. Tu n'es jamais entré ici, pas vrai? Qu'est-ce qui se passe, Gareth? Ne me dis pas que j'ai pris conscience. Comment peux-tu être là? Tu es morte. C'est peut-être l'endroit où les morts attendent quand ils n'ont nulle part où aller. Et te voilà. Est-ce que tu es mort, Gareth? Suis-moi pour connaître la vérité. Je t'ai observé. Je voulais être toi. On se ressemble tellement. Mais pourquoi je me suis obstinée? Le monde a déjà un Gareth. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux que tu voles une clé de la vérité. Ça date d'avant que je quitte la maison, que je devienne Erin. Mais tu devras la trouver toi-même. C'est la règle. Commence à chercher. Je te dirai si tu chouffes. Tu chauffes. Elle était pas contente que je trouve. C'est comme si Erin voulait que je trouve quelque chose. Je peux pas partir sans vérifier. Et comme par hasard, il y a exactement la même affiche ici. Qu'est-ce que c'est ? Un médaillon. Quitter les repères. Direction la maison de Pivoine. Elle est signalée par des lumières rouges. Si je trouve les lumières, je trouve le bordel. Remonte, voilà.
C'est peut-être pas de ce côté-là qu'il fallait que je saute, en fait. Ou alors, je peux monter assez ici. Je vais mourir si je saute là-bas, je pense. Sauter là-dessus. Je meurs si je saute. Ah non, mais je me fais très mal. Ouais, mais c'est pas du tout par là. Ok, le mec s'en fiche tout complet de moi. Tu vas aller nourrir les anguilles. Ouais. L'entrée de la maison des pivoines doit être tout près. Je ne demande pas plus. La maison des pivoines vous a mis sur liste noire, Seigneur. Enfin, on ne dit plus Seigneur. La liste noire ? Vous ayez les moyens. Donc, jusqu'à perpète. Je suis sûre que vous dégoterez une pince-nœud bon marché qui supportera votre sale caractère. Vous profitez bien trop de cette situation. Non, Edmund. On en profite juste ce qu'il faut. Mais saute! Mais tu t'es trappé! Voilà. Un problème? Bon. Alors tais-toi. J'ai pas la moindre idée d'où je vais en fait. Enfin, je suis pas sûre que ce soit par là quoi. Je sais que l'entrée là-bas, le truc, c'est comment je fais pour y aller. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc? Là, tout simplement. Voilà. C'était tout bête. Trop
promet d'être intéressant. Je viens pour la maison de Pivoine. Alors si vous tout le monde cherche à l'éventrer, madame Xio Xio, vous êtes dans la maison. Madame Xio Xio. On va me voir là, non? Ok, ils sont pas très malins. J'aurais pu le voler. Xiao Xiao tenait son petit commerce dans un endroit reculé. Là, fuir les regards discrets, toujours payant, monsieur. Ah ça, payant, c'est le cas de vie. Ah, je pouvais le neutraliser. Ça les a pas alertés. Hein, ça a bougé. Qui est là? Je crois. Je vais faire comme si de rien n'était. Il y a quelqu'un? J'ai besoin d'une pause. Je me mets à voir des choses. Pas mettre un masque? Ah, c'est encore planté. Ok.
frappé, quelqu'un qui ronfle. Allô, s'il vous plaît. Ah. Ah bah non. Ah. Attendez. Doucement. Voilà. Ok. Oh là. Aïe, 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 aïe. Oh, il avait rien sur lui, c'est pas drôle. Bon. Je crois que j'ai aperçu mon cousin ici. Il est mieux avec un masque. Vous n'avez pas de cœur. Allez-y, parle-moi de cousin. D'accord. Lui, il dort aussi. Je m'en fiche, pas un garde. Ça dort partout, en fait. Salut Damien. Hop. Ok. Non. T'as rien vu. Je n'ai rien vu du tout. Ok, il y en a plusieurs. Il faut que j'évite de faire tomber les vases au risque de me faire remarquer. Ok, il y en a un qui se ramène. Et bah tant pis. Retour à la bonne vieille méthode. Le bon plan. Ah, ne t'arrête pas de courir, pitié. C'est pas le moment. Excusez-moi, je voulais pas vous déranger. Comment ça va, Damien? Je pense que je vais changer de jeu. De toute façon, il faut que je coupe et que je relance le stream pour baisser la qualité, histoire que ça lag un peu moins, donc... Ça va aussi, merci. Donc je coupe le live, rafraîchissez et donc à tout de suite.